le numéro de magie que j'aimerais vous présenter aujourd'hui s'intitule « La bouteille inépuisable » de Jean-Eugène Robert-Houdin. Il a été présenté la première fois dans son théâtre le 1er décembre 1847, et voilà comment était présenté le numéro. Jean-Eugène Robert-Houdin se présentait sur scène avec une bouteille de vin, une bouteille de Bordeaux. Elle était vidée, voilà, dans quelques verres qui restaient sur le devant de la scène. Ensuite, on prenait un peu d'eau, on rinçait la bouteille, on apportait des verres à liqueur, et là, Robert Houdin s'adressait à ses spectateurs et demandait aux personnes dans la salle de bien vouloir choisir une liqueur. Et il était capable, à la demande, de remplir des verres de liqueur, voilà, selon les choix faits par les spectateurs. Ça, c'était la première partie du numéro. Et ensuite, après ça, on apportait un grand récipient. Et pour prouver que la bouteille était vraiment inépuisable, Robert Houdin remplissait à ras-bord le récipient, grâce à sa bouteille magique. Alors ce numéro de magie a eu énormément de succès, notamment en Angleterre, lorsqu'il l'a présenté au théâtre St. James à Londres. C'était un des tours réclamés par le public, le tour de la bouteille inépuisable. Par la suite, d'autres magiciens ont créé leur propre version. Je pense notamment au magicien David Devant avec sa version de la bouilloire magique. Il y a eu le magicien français Rhys avec le barman de Satan. Ou encore le magicien Callanag qui lui avait créé son bar magique.